On and on the rain will say how fragile. Effectivement, moi aussi, j'ai utilisé régulièrement le jeu quand j'étais très angoissée ou autre, et c'était vraiment le tirage classique, hein, la poupe et les quatre cartes. Ça m'a, ouais, c'était mon ami. Voilà. Donc, c'est le premier jour de notre vie ésotérique, de notre capacité à nous relier à nos dimensions ésotériques. Donc, si dans ces mois-là, avant le calendrier solaire de janvier, un mot apparaît, attachez-vous à ce mot, voyez s'il y a une répétition. Moi, je vois qu'il y en a un qui commence à bondir comme un petit lapin. Les herbes hautes, qui revient, je vois que le mot que j'ai créé cette année, enfin que j'ai invité, eh bien je ne sais pas pour vous, mais il est en train de totalement s'incarner dans ce que j'ai, et j'ai remarqué que c'est vraiment une période de transition où le mot de l'année prend toute sa dimension et le mot suivant apparaît timidement. Voilà ce que je voulais vous dire. La danse. Je crois que tout le monde l'a bien entendu. Mais c'est intéressant parce que tu vois, dans ce mot danse, on dit qu'on danse quand on prend le chemin du chamanique. On va danser les rêves, on va danser la roue. Et c'est beau parce que c'est vraiment l'image que danser, c'est faire son chemin avec cette légèreté, cette grâce de se donner la possibilité de se mouvoir, tu vois, d'inventer des formes et d'inventer des gestes et d'inventer la grâce, etc. Donc, danser, regarde toutes les définitions qui sont dansées, associées aussi, c'est quand ça danse, c'est que ça bouge aussi, hein. Ça va danser, ça veut dire aussi que ça va remuer, que ça va te bousculer. Donc, est-ce que tu es prête aussi à toutes les... Quand vous choisissez un mot, comme l'or, soyez prête à ce qu'une peau tombe si vous choisissez le mot mu. Il y a de l'ordre du physique que quelque chose se détache de vous aussi. Donc, voilà. Donc, quand vous choisissez votre mot, essayez d'associer. C'est le plus simple. Moi, ce que je fais, c'est je trouve des expressions qui sont associées à ce mot. Et puis, du coup, je me rends compte qu'il y a plein de formes et plein d'interprétations. Et est-ce que je suis prête à suivre toutes les interprétations de ce mot? Like tears from stars, like tears from